en direct de la foire de Paris, il y a une demoiselle à côté qui est en train de m'embêter. Oui, vous avez commencé à l'apercevoir. Elle s'appelle Marie. Elle est membre. Non, eh ben ça va Marie quand même. Elle est membre de l'association Boli Diwani. Voilà, c'est bon. Ouais, bon, Marie, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va pas mal. Bollywood Diwani, c'est une association indienne, culture indienne. On apprend à faire la cuisine, on apprend à cuisiner indien, on apprend à danser indien. Il y a même du yoga indien qu'on appelle le Yogi Wood. Et du fitness. Et le fitness qui s'appelle Fitness Bollywood. C'est ça. Voilà, c'est ça. Depuis combien de temps elle existe cette association? Elle existe depuis bientôt 5 ans maintenant. Depuis bientôt 5 ans. Attends, toi comme tu es plus belle que moi, voilà, on va te mettre surtout toi, parce que moi je suis pas très beau. Voilà, hop là. Bollywood Diwani, depuis combien de temps tu danses? Alors moi, je danse depuis l'âge de 13 ans. Waouh, ouais. Ça fait donc un an. Merci. Donc tu danses depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, ouais. C'est difficile de danser Bollywood? C'est pas difficile, il faut vivre la musique. Donc non, c'est pas trop compliqué, pas pour moi en tout cas. Il y a des signes, il y a des symboles, des significations quand on bouge les mains et tout? Oui, oui, oui. C'est un mélange de danse classique indienne. Donc dans la danse classique indienne, tout se traduit par la gestuelle. Ouais. Là par exemple, je peux vous montrer, je peux vous représenter la fleur. Attends, une alors, fleur voilà. Ouverte. Voilà. Hop. Ah ouais. Je peux vous montrer une petite abeille qui se balade autour. Je peux vous montrer comment mettre des boucles d'oreilles. Ouais. Comme ça. Ouais. Collier. Enfin voilà, il y a plein de petites gestuelles, tout est traduit par la gestuelle. Mais il y a des codes? On a des codes, ouais. On peut montrer le miroir, par exemple. Oui. Le maquillage. Ah, c'est ça qu'on voit. Les yeux, on représente les yeux comme ça. Les cheveux. Mais en combien de temps on apprend tout ce langage des signes? 10 ans. 10 ans! Enfin, 10 ans, voilà, tout est allé. Hein. On commence par les bases, on commence par les pieds, la gestuelle des mains, les expressions du visage, donc tout ça s'est étalé sur 10 années. Bon, une question qui n'a rien à voir, question capillaire, parce qu'il y a des filles qui te regardent et disent: mon Dieu, elle a des beaux cheveux! Ce sont tes vrais cheveux? Ah, bah oui, c'est mes attends, vrais attends, cheveux. Attends, attends, je te. Tu peux toucher. Waouh! C'est mes vrais cheveux. Oh, oh la vache! Bah, attends, oh la vache! Oh, mais c'est pas possible! C'est mes cheveux! Marie, c'est tes vrais cheveux! Évidemment! C'est incroyable! Merci. C'est incroyable! Qu'est-ce que tu aimes bien dans les films Bollywood? J'adore la beauté des actrices déjà. Ouais. Je pense qu'elles sont très 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 gracieuses, très jolies. Moi je pense qu'elles pourraient être actrices. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Et ouais, et puis c'est ce côté un peu rêveur. C'est très féerique. C'est très kitsch. Ouais, oh, c'est très kitsch. Et j'aime bien ce côté voilà échappatoire. On s'échappe un petit peu quand on regarde des films Bollywood et j'adore ça. Bon, on s'échappe nous aussi. On y va? On y va. Ouais, c'est parti.